Là, vous avez bien fait de baler ici. Là. C'est très bien fait. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ça y est. Là, là, nous sommes en direct depuis la maison mère, le réveil international, Jésus revient, Gagnoua. Là, vous voyez aux caméras devant vous l'apôtre de Dieu. Vous voyez? Avec des talents. Oh Père. Le Seigneur a donné ses talents à ses serviteurs. Et ce qui est en train de se passer, vous voyez. Voilà. Donc, on va déjà arracher quelques mots parce qu'on vient de commencer. Et vous voyez ce qui est sur. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui est là. Donc là, là, moi-même, je n'avais pas parlé. Lui-même, il va parler comment il a commencé ces choses-là. Et puis, c'est devenu comme ça. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui connaît. Voilà. Donc, vous voyez, il y a d'autres suppliers encore en bas ou d'autres choses qu'on sort dedans. Donc, lui-même, il est là. L'apôtre de Dieu est là. Voilà. Salut à Shalom, peuple de Dieu. Comme l'avait annoncé, c'était le jeudi. Aujourd'hui, c'est un moment de réjouissance. Alléluia. Et j'ai décidé d'être à la partie, j'ai décidé d'être au service du peuple de Dieu. Je vais cuisiner pour qu'eux-mêmes ils mangent. Alléluia. Puisque le Seigneur, en plus de l'enseignement, en plus de la prière, nous a fait des dons. Voilà, le don de cuisine. Et j'aime beaucoup la cuisine, c'est pourquoi j'ai mis mes mains. Donc, je vous invite. Alléluia. Voilà, c'est la fête. Soyez bénis. Et à tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez un peu ce que l'apôtre de Dieu est en train de faire. C'est tellement fabuleux, c'est tellement intéressant de voir toutes ces choses-là, tu vois, voilà. On dirait que bon, c'est une maman qui est venue pour, ou bien un galop, tu vois, en bord de route, qui est venue pour faire ça, tu vois, tu vois. Non, c'est un galop spirituel. Voilà. Donc, c'est puissant, c'est puissant. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est des cuisses de mouton. Et puis un peu de porc, juste à côté un peu de porc, vous voyez. Donc la fête a commencé ici à Gagnoua. Donc nous voyons ici présent le serviteur de Dieu, le serviteur de tout le temps, l'évangéliste Étienne. Voilà, voilà. Donc on va arracher quelques mots venant de l'évangéliste, rempli du Saint-Esprit. Amen, soyez bénis, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alors comme ça a été dit depuis longtemps, et comme le Seigneur aussi est un Dieu qui est dans sa parole, tout ce qu'il dit, il veille pour l'accomplir. Et voici ce jour glorieux, ce jour puissant, lui-même l'a prévu, que nous qui sommes en forme de son être, et aussi pour réjouir voilà, de ce qu'il a fait, la raison pour laquelle nous sommes là. Et ça, c'est entré en matière d'abord. Voilà, donc il y a des choses encore qui viennent. Donc, soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Shalom, serviteur. Jésus. Donc, vous voyez ici, en direct, de Gagnoua, et l'homme de Dieu Thomas, le prophète Thomas de Ouagadougou, l'église de Ouagadougou. Donc, vous voyez. Alléluia, shalom, shalom. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Bien-aimés, comme vous pouvez le constater, c'est avec joie que nous nous retrouvons ici, en ce lieu. À partir de ce moment précis, nous pouvons dire ceci, sans nous tromper et avec certitude, que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Amen. Dieu nous a parlé. Amen. Il nous a donné sa parole. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que c'est clair, c'est propre. Alléluia. Et donc, c'est la fête. Amen. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Attachez-vous à lui. Croyez en lui. Mettez votre foi et votre confiance en lui. Amen. Et quand il vous donne la parole, sa parole, croyez que cette parole-là va s'exécuter. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive, c'est ce qu'il fait. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. En tout cas, nous sommes dans le bateau. Amen. Le bateau où la sainte doctrine est prêchée. Alléluia. Nous savons où nous sommes quittés et nous ne sommes pas du tout prêts à faire marche arrière. Nous continuons avec le Seigneur. Alléluia. Et de jour en jour,
c'est vraiment la fête, c'est la grâce, c'est la paix, c'est la joie que le Seigneur déverse sur son peuple. Soyez bénis, homme de Dieu. Nous bénissons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et c'est ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, Jacques 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, le Seigneur dit, si tu demandes quelque chose et que tu ne doutes pas, cette chose-là, tu l'as. Donc, nous n'avons pas douté, nous n'avons pas douté de ce que nous avons demandé au Seigneur Jésus. Vous voyez devant vous, voici le serviteur de Dieu. Vous le voyez très souvent à l'évangélisation avec le tambour. Ouais. Il voyait un héros en train de. Vous voyez, il est en train de découper les oignons, tu vois, pour la viande qui est en train d'être braisée par l'apôtre. Donc, on va déjà prendre quelques paroles du serviteur de Dieu, Amos, l'évangéliste Amos. Vous avez la parole. Vraiment, nous sommes très heureux pour ce jour parce que le Seigneur a entendu les cris de son peuple. Amen. Lorsque nous sommes levés, nous avons crié à lui. Il n'a pas manqué de nous exaucer. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de préparer les choses pour la dégustation. Nous vous invitons aussi à venir participer. Il n'est pas en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, serviteur. Que le Seigneur te bénisse. Et ici, nous n'avons pas que le serviteur Amos seul. Il y a le serviteur Samuel, l'évangéliste Samuel qui est là. Celui-là même qui s'est cuit pour les instruments du Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. Et il est là. Nous allons aussi arracher quelques mots. Parce qu'il a planté déjà le décor. Le décor est déjà planté. Voilà. L'évangélisation en même temps tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on sera en pleine évangélisation. Suivez-nous. Devant le temple. Amen, amen. Bien-aimé, il faut savoir une seule chose. Quand tu fais pour le Seigneur, alléluia. Effectivement, le Seigneur fait pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Je ne parle pas d'un homme, je ne peux pas de servir un homme. Alléluia. Parce que si tu sais un homme, il pourra te promettre quelque chose, mais il pourra oublier un jour. Amen. Mais pour Jésus, il veille accomplir ce qu'il t'a dit. Amen. Alléluia. Et comme vous le constatez, nous sommes en fête, nous sommes en joie, nous sommes dans un grand moment de réjouissance. Amen. Et depuis très longtemps, nous avons invité nos bien-aimés, nous avons invité nos mamans, nous avons invité tout le monde, tout le peuple de Dieu à venir prendre part à ce grand événement. Alléluia. Et tout à l'heure, je veux passer à l'occurrence pour inviter encore ceux-là qui nous suivent sur les réseaux de vraiment se connecter parce que tout à l'heure il y aura un moment d'évangélisation intense en même temps de la résistance pour encore amener aux âmes du Seigneur, de l'amener encore vers le Seigneur parce que les temps sont finis. Oui, nous nous réjouissons, mais aussi nous devons penser aussi aux âmes du Seigneur qui meurent, qui sont encore dans les rues. Alléluia. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Soyez bénis. Et venez, nous allons prendre part ensemble à ce grand événement, cette grande joie, vraiment, les mots me manquent parce que le Seigneur a confirmé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous-même, vous avez entendu le serviteur de Dieu, l'évangéliste Samuel, qui disait tout à l'heure que le Père a confirmé. Et oui, le Père a confirmé. Et ça y est, l'église de Ganyewa a maintenant son terrain. Voilà. Donc, c'est officiel maintenant. Vous qui nous suivez, de là où vous êtes, dans les Agones, nous sommes en direct de l'église de Ganyewa, le réveil international de Ganyewa. Nous avons en face de nous le serviteur de Dieu, le serviteur de V8, le serviteur Josué de V8. Voilà, donc il va vous saluer et il va vous dire quelque chose de vraiment d'important. Jésus-Christ, ça vous bénit, vous tous. Moi, je suis content. Parce qu'avant, quand on venait, c'était à l'école qu'on priait. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons vu le corps direct. Donc, je suis content de ça, je suis dans la joie. C'est pourquoi nous sommes là. C'est la joie aujourd'hui. Le Seigneur vous bénit, vous tous. Amen. Shalom. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous voyez, c'est le serviteur de Dieu. Voilà, c'est le serviteur de Dieu de V8 à donner son point de vue sur le terrain de Ganyewa. Et il faut dire que il y a au moins un an de cela qu'il a quitté à Ganyewa
où l'église de Gagnoua se trouvait dans une école. Voilà, on faisait l'assemblée des saints se trouvait à l'école ecclésiaste. Et le Seigneur a fait grâce aujourd'hui. Nous avons eu notre terrain à nous. Dans tout le réveil de Côte d'Ivoire, c'est l'église de Gagnoua seul qui a son terrain. Et ça, c'est acclamé. Toi qui me regardes, acclame au nom de Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame à le nom de Jésus. Donc nous avons devant nous le serviteur de Dieu qui est venu nous rendre visite. Voilà, qui vient de Oumé. Voilà, c'est tout à l'heure qu'il vient d'arriver. Donc on l'a pas encore même donné de l'eau pour demander la nouvelle. Donc c'est un serviteur de Dieu qui a quitté à Oumé pour venir nous raconter. Donc il va dire son shalom au peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue, soyez bénis dans le nom puissant, puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis actuellement à Gagnoua, je viens d'Oumé, dans la région d'Oumé. Peuple de Dieu, je vous invite massivement à venir à ce programme. Amen. Bien aimé, j'étais un païen, j'étais dans le monde. Alléluia. Mais le Seigneur m'a récupéré. Amen. Et il a transformé ma vie. Le peuple de Dieu, je voudrais que vous soyez là à présent. Quand il a écrit dans sa parole, dans Luc, le verset 18, verset 20, et là où deux ou trois sont assemblés, lui à son nom, lui Dieu, il se tient au milieu de nous. Alléluia. Mais nous sommes plus que deux, je dis plus que trois. C'est-à-dire que le Seigneur est au milieu de nous abondamment. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, bien aimé, sois à présent aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. Shalom, serviteur. Donc nous allons passer maintenant au serviteur de Dieu de Dabouyo, qui se nomme le serviteur Barnabas. Voilà, donc nous allons prendre quelques mots avec le serviteur de Dieu de Dabouyo, voilà, dans la région de Gueyo. Voilà, vous connaissez bien Gueyo. Gueyo n'est pas loin de Soubré. Voilà, donc c'est le serviteur de Dieu de Dabouyo. Oui. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, bien aimé, voici ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes là en ce jour pour célébrer, en tout cas, la victoire. Oui, le Seigneur Jésus nous a offert, en tout cas, un terrain pour le louer, l'adorer. Donc, moi, je suis quitté à Dabouyo. Je suis venu, en tout cas, avec, je suis venu mes jeunes frères. Alléluia. Pour célébrer la victoire. Amen. Voilà, donc, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Donc, peuple de Dieu, contemplez un peu le terrain. Voilà. Vous voyez un peu... Là, c'est là, le QG des hommes de Dieu. Vous voyez? Le QG des hommes de Dieu. Le QG des hommes de Dieu. Le QG des hommes de Dieu, vous voyez? Voilà, là où on a mis le fou. Le fou pour le braiser. Voilà, donc ça, c'est le QG. Hein, le QG des hommes de Dieu. Voilà. Donc... nous avons ici aussi le temple. Voici le temple. Ici, c'est le temple. Donc, voici la maman. Voilà. Maman Rebecca. Voilà. Voici maman Rebecca. Shalom, shalom. Maman Rebecca. Voici que nous sommes sur le nouveau terrain. Là où le Seigneur Jésus nous a ordonné. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui nous suit? Ceux qui n'ont pas cru en l'église de Gagnoua. Parce que beaucoup n'ont pas cru lorsque le Seigneur a dit officiellement que je donnerai un terrain à mes enfants de Gagnoua. Beaucoup de personnes n'ont pas cru. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Le terrain est là. Et le Seigneur même a payé ce terrain. Qu'est-ce que tu peux dire aux hommes et femmes qui nous regardent? Oui. Shalom, shalom, vous tous qui nous suivez. Vous voulez exhorter quelqu'un, vraiment, tu me connais, à placer sa confiance au Seigneur Jésus. Parce que avec le Seigneur Jésus,
nous ferons des versets. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, il a fait. Nous ne sommes pas nombreux. Il dit qu'il va nous donner. On a placé nos confiances en lui. Il Maman, est-ce qu'on atteint 50? On n'atteint même pas 50. Et aussi, nous sommes aussi des débrouillards. Ouais. Il n'y a pas assez de personnes qui sont fonctionnaires. Quand elle parle le mot débrouillard, elle veut dire qu'il n'y a pas de fonctionnaires. Voilà, il n'y a pas de fonctionnaires. Voilà. Mais le Seigneur Jésus, il a dit et il a fait. Alléluia! Parce que ses servants, ses serviteurs ont placé leur confiance en lui. Et il a fait. Alléluia. Donc, il veut exhorter quelqu'un à placer sa confiance au Seigneur Jésus. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient ce qu'il traverse. Amen. Que Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez ce que la maman vient de dire. Il dit, quel que soit ce que vous traversez, placez vos confiances à l'Éternel des armées. C'est lui seul qui ne peut pas vous tromper. Oui, les hommes peuvent vous tromper, les femmes peuvent vous tromper, mais l'Éternel des armées, lui, il ne va jamais vous tromper. Oui, on est tous dans la sainte doctrine, mais est-ce qu'on croit en Jésus? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Parce qu'on a vu des serviteurs remplis d'onction, et ils font des délivrances, le démon crie, le démon parle, et ce n'est pas ça qui nous a attirés à Jésus. Voilà, donc la maman est en train de te parler de tout ça. Mettez vos confiances en Jésus. Vous voyez devant vous. Et ça, c'est l'église de Roi Gaillot. L'église de Roi Gaillot. Les mamans de Roi Gaillot, vous voyez. Donc, nous allons voilà, aller auprès de maman. Et pour arracher quelques mots. Parce qu'elle est là aujourd'hui. Et la fête aujourd'hui. Maman, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et quelles sont vos impressions? Parce que il est matin, hein? Voilà. Donc aujourd'hui c'est la fête. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui nous regarde pour ce que le Seigneur a fait pour nous? Shalom, que vous me dites. Ce matin, je remercie le Seigneur. La première des choses, le grand miracle qu'il a opéré dans notre vie. Alléluia. Et nous nous sommes réveillés parmi ses élus, et il a permis que nous puissions arriver jusqu'ici. Non, nous nous disons merci. Nous nous disons encore merci pour la délivrance, en tout cas pour ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, tout est beaucoup. Les merveilles de l'Éternel ne sont même pas, on ne peut même pas les compter, tellement que c'est beaucoup. Et aujourd'hui, il a permis que nous puissions nous réunir ici et ensemble, nous puissions demeurer devant sa face. Nous nous disons encore merci. Merci pour vraiment que l'œuvre continue toujours et que ceux qui sont encore dans la perdition puissent venir à la lumière. Amen. À la lumière pour que un jour, si l'Éternel venait, pour voir ses enfants tous ensemble. Alléluia. Et ensemble, nous puissions aller au ciel. Au ciel. Donc, voici le vœu que la maman fait devant le Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui sont encore en dehors de la bergerie, de rentrer dans la bergerie, parce que le Seigneur vient bientôt pour chercher ses enfants. Et s'il nous a donné ce terrain, c'est pour que tous ses enfants se réunissent ici pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Et bonne fête à vous. Amen. Shalom, shalom, servant de Dieu. Shalom. Voici la servante de Dieu, Dorcas de Roi Gaillot. Nous allons aussi prendre quelques paroles avec la servante de Dieu. Pourquoi pas parler un peu du beau cadeau que le Seigneur nous a donné. La servante, on t'écoute. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, servante de Dieu. En tout cas, c'est merci avec un mot au-delà du merci, c'est ce qu'on aurait dû au Seigneur. Amen. Parce que ce qu'il a fait, ça dépasse l'entendement. Alléluia. Donc vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur. Alléluia. Et de la manière il nous a donné ce vaste terrain. Amen. Que ces brebis qui sont encore dans la voie large. Amen. Que vraiment lui-même, il puisse les enlever là-bas. Alléluia. Là-bas pour les emmener ici. Pour qu'ensemble, nous puissions l'adorer pour attendre son glorieux retour. Amen. Gloire à Jésus. Voici ce que la servante de Dieu dit. Pour attendre le glorieux retour du Seigneur Jésus, il faut rentrer dans la bergerie. Peuple de Dieu, tu ne peux pas rester dans l'église de la voie large et attendre le glorieux retour du Seigneur Jésus. C'est dans la bergerie, il faut attendre le glorieux retour du Seigneur Jésus. Donc, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, voici ce que la servante de Dieu vous dit. Venez dans la bergerie du Seigneur, dans la sainte doctrine.
Nous voyons clairement ici devant nous la maman de tous les temps, la maman de Oumé. Voilà. Vous qui nous regardez, vous connaissez la maman qui est là. Voilà. Elle s'appelle Matt Jésus. Matt Jésus. Donc, nous, on appelle maman Matt. Voilà. Donc, toi qui nous suis, c'est Matt Jésus. Alléluia. Elle vient de Oumé. Maman Matt, voici le décor qui est planté. Tout est là. Le Seigneur a dit et le Seigneur a fait. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui doute encore de tout ce que le Seigneur dit? Les prophéties, les révélations, les visions. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que il dit, vous verrez, vos mains vont toucher, vos yeux vont voir et vous parlerez de moi. Et on a vu, on a parlé. Nos mains touchent, nos pieds marchent dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple de Dieu qui nous regarde? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Nous sommes comblés de grâce. Nous avons expérimenté la puissance de l'Éternel. Amen. Nous avons expérimenté que Jésus-Christ est réellement Dieu. Amen. Quand il dit, il accomplit. Amen. Sa parole, il est dans sa parole. Amen. Il a dit, celui qui place sa confiance en lui n'échoue jamais. C'est clair. Et la terre lui appartient. Clair. C'est vraiment un miracle d'obtenir ce terrain. Amen. Parce que nous, les êtres humains qui sommes ici en train d'adorer Jésus, nous ne pouvons pas, par nos forces financières, obtenir ce terrain. C'est clair. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le miracle qu'il a opéré, il a rassemblé cet argent en un rien de temps. Amen. Il a démontré sa grandeur. Amen. Il a démontré son autorité. Il a démontré son amour. Aller mourir à la croix pour nous. Il nous a dit encore que cet amour-là n'a jamais tari. Amen. C'est pour cela, en ce jour, nous nous retrouvons pour lui dire merci, pour lui rendre toute la gloire. Encore 3 jours, de 6h à 18h, moi, Marc, qui suis à 6h, je ne pouvais pas marcher ici, arriver sur le goudron. C'était très difficile pour moi. Mais c'était un miracle quand j'ai vu que j'ai parcouru toute la ville de Cagnoua, de 6h à 18h, sans rupture. Ça montre réellement que notre Dieu est frais. Vraiment, j'encourage tout le monde. J'encourage toute personne qui va entendre ceci, qui sache que les temps sont vraiment finis. Effectivement, les Et temps sont Jésus-Christ finis. Jésus-Christ de Nazareth est en train de rassembler ses brebis. Il est en train vraiment d'apprêter ses brebis, d'amener ses brebis à mettre de l'ordre dans leur vie. Ici, à Jésus revient. C'est Jésus de Nazareth, mort et ressuscité à la croix. C'est lui qui est adoré ici. Merci. Donc j'envoie tout le monde à venir pour qu'ensemble, nous mettons de l'ordre dans nos vies et attendre la gloire, attendre notre époux, ce merveilleux époux qui n'abandonne jamais son épouse, quel que soit ce qu'elle fait. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, maman Matt. Vraiment, ton invention a touché les cœurs. Parce que tout ce qui est sorti de toi vient du trône du Seigneur Jésus et ça a touché les cœurs. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu donnes la vie à maman Matt. Père, tu es Dieu et tu restes Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, on continue notre interview. Nous sommes, voici les... La jeunesse de l'Église, c'est des élèves. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ fait des grandes choses avec eux. Voici la servante de Dieu, Matt. On a encore Matt ici. Servante de Dieu, Matt. Elles étaient en train de danser tout à l'heure. Voilà. Vous savez que à Gagnéwa, on aime louer le Seigneur. On aime louer, danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va recueillir quelques mots de la servante Matt. Servante Matt, le peuple de Dieu te regarde depuis la France, depuis les États-Unis. Le peuple de Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu veux dire en face du monde entier pour ce que le Seigneur Jésus vient de nous faire? Il vient de nous donner quelque chose de très précieux. Qu'est-ce que tu peux dire?
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. D'abord, je vais bénir le ministère. Amen. Parce que toujours ce qu'il dit, il le fait. Amen. Il n'a jamais menti. Amen. Toujours ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. À travers les révélations, à travers sa parole d'abord. Amen. Sa prophétie. Amen. Toujours ce qu'il dit, il fait. Amen. Pourquoi il veut dire qu'il n'y a point de Dieu comme lui? Amen. Jamais. Même dans les cieux, sur la terre, il y a un point de Dieu. Amen. Nous allons nous approcher au Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi vais-je de ce chant? Amen. Jamais il n'aura de Dieu comme toi, éternel. Jamais il n'aura de Dieu comme toi, éternel. Jamais de Dieu comme toi. 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 Dieu d'Israël, il n'aura jamais de Dieu comme toi. Dieu de Dieu, il est bien. Il n'aura jamais de Dieu comme toi. Dieu de la terre, il n'aura jamais de Dieu comme toi. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici la servante Emmanuela et la servante de Dieu Dorcas. Quelles sont vos impressions le jour qui a été annoncé, ce grand jour, et que vous avez appris que le Seigneur nous a donné ce terrain? Qu'est-ce que vous avez senti en vous? Est-ce que vous pouvez donner en un mot quelque chose au peuple de Dieu ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Oui, il faut le dire. Les mots même nous manquent. Amen. Voilà, parce que c'est que le Seigneur Jésus fait pour maintenant nous. Ce lieu que vous voyez ici, qui nous appartient aujourd'hui, il faut le dire, au commencement, c'était un peu difficile, et même très difficile. Vous voyez, mais en ce jour, le Seigneur nous a donné la victoire. La victoire, la victoire. Jésus la est ma forteresse, mon libérateur. Je mérite ta victoire, Jésus. Il est ma forteresse, mon libérateur. Alléluia. Donc c'était une cantique que le Seigneur nous a donné. Jésus, on est prêt pour vous. Jésus, on est prêt pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc vous voyez, le décor est déjà planté. Et tout à l'heure, on aura l'évangélisation intense dans ce quartier-là. Voilà, vous voyez, c'est le quartier qui est là. Voilà. Vous voyez, c'est le quartier qui est là. Donc, on aura l'évangélisation intense tout à l'heure. Voilà. Les hommes de Dieu vont parler du Seigneur Jésus. Donc, le décor est planté. Nous voyons ici le fils du prophète Thomas, le roi Gaillot, et son fils qui est là. Le serviteur de Dieu, nous allons lui laisser la place pour qu'il nous donne lui aussi ses impressions
lorsqu'il a appris que le Seigneur nous a donné ce terrain. Homme de Dieu. Shalom, shalom, bien aimé. Shalom. Mes impressions quand j'ai entendu que Jésus revient gagner à ce terrain, j'ai été pris de joie. Amen. Parce que il y a longtemps qu'il cherchait un terrain. Amen. Donc il a été pris de joie et j'ai dit que je voudrais venir le samedi pour me réjouir avec eux. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous-même vous avez entendu le serviteur de Dieu disant que lorsqu'elle a, il a entendu que l'Église de Gagnewa a obtenu le terrain, il était rempli de joie et il se disait en lui-même que le samedi je viendrai à Gagnewa pour me réjouir avec mes frères. Et la raison pour laquelle il est là, que le Seigneur te bénisse. Oui, homme de Dieu, voici son frère dans la foi. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu peux dire? Ah, ton frère a parlé, hein? Qu'est-ce que tu peux ajouter? Shalom. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il dit qu'il est content ce matin. Nous avons à côté de lui l'homme de Dieu de Gagnewa, voilà, qui est avec nous ici. L'homme de Dieu, Landry, que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Manu, que le Seigneur te bénisse. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Comment va? Ça va, non? Quand tu as appris qu'on a le terrain, que le terrain qu'on vient faire culte là, ça nous appartient maintenant, désormais. Qu'est-ce que tu as senti en toi? Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Manu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire, Danu? Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu es content aujourd'hui que le peuple de Dieu ait son terrain maintenant à Gagnewa pour louer le Seigneur Jésus? Oui. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ? Dis merci à Dieu. Tu veux dire merci à Dieu. Donc dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Amen. Amen. Il dit remercie le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, soyez béni. Soyez richement béni. Le serviteur Jean-Baptiste. Et la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Le serviteur Jean-Baptiste. Je vais dire merci au Seigneur Jésus pour ce terrain qu'il nous a offert. Bien-aimé, Jésus est réel. Jésus est le véritable. Je veux qu'on s'attache à Jésus. Bien-aimé, quand Jésus dit, il le fait. Quand il dit, il le fait. Voici qu'il nous a donné ce terrain. Bien-aimé, je vous invite à fêter dans la joie, à faire toutes choses. Et je vais dire merci au Seigneur Jésus pour ce terrain. Bien-aimé, je peux louer le Seigneur comme je veux. Je peux le chanter comme je veux. Je peux l'adorer comme je veux. Bien-aimé, je dis, Ecclésia, c'est terminé. Voici, on vous invite dans la maison de votre Père, Seigneur Jésus. Et la paix, et l'honneur, et l'élévation, et la grâce. Reviens à Jésus. Merci à Jésus. Shalom, shalom. Soyez richement bénis. Ecclésia, c'est terminé. Ecclésia, c'est là-bas. On était avant. Dans l'école où on était avant. Ecclésia, c'est terminé. C'est terminé. Alléluia. Voici le serviteur de Dieu Pierre. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le serviteur de Dieu Pierre. Je suis dans la joie de ce que le Seigneur Jésus nous a donné ce terrain. Parce qu'il avait promis au début. Il nous avait dit qu'il allait nous donner ce terrain, vraiment. Et il a fait. Je suis dans la joie, vraiment, d'être en ce lieu. Jésus. Jésus n'a pas. Jésus. 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 Jésus n'a pas. Jésus. 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 Jésus n'a pas. Jésus. 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 Jésus n'a pas. Jésus. On est prêt pour toi. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez un peu, bien aimé, vous qui nous suivez, voilà. J'aimerais vous montrer, voici la bonne.
Voici la bonne, voilà. Voici la bonne, voilà, voici la bonne. Donc vous voyez un peu devant vous, voilà, on a clôturé, on a clôturé, on a clôturé. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur. Là, je vais au QG des hommes de Dieu. Suivez-moi. Vous qui êtes là, suivez-moi. On va au QG des hommes de Dieu. Vous allez voir ce qui se passe dans le QG des hommes de Dieu. Dans le QG des hommes de Dieu. Vous allez voir. Restez là-bas, pardonnez. Restez, pardon. Vous allez voir dans le QG des hommes de Dieu. Tu vois? Toi, tu viens d'arriver, non? Écarte bien tes yeux, tu vas voir. Regarde. Regarde ce qui est là. Regarde. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est dans le QG. Et je sais que tu es en train de avaler salive là-bas. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas cher. Abidjan ici, c'est 3500 ans. Donc, faut venir. Alléluia. Donc, vous voyez, ça, c'est dans le QG. Les hommes de Dieu. Il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer ici. Et qui est à la partie technique? L'apôtre Jean-Jacques. Est-ce que tu peux croire ça? L'apôtre Jacques-Michel plutôt. Est-ce que tu peux croire ça? L'apôtre Jacques-Michel. Regarde. Le piment même. Regarde. Regarde. Regarde ton papa. Regarde ton papa. Faut l'écrire dans une bosse. Faut l'écrire dans une bosse. Tu vas le féliciter. Regarde. Tu as vu? Voilà. Donc, il y a des talents cachés. Il y a des talents cachés. Regarde. On ne sait même pas où ça a commencé. On ne sait même pas où ça termine. Mais on voit des belles choses seulement. Des choses extraordinaires. Des choses intéressantes. Tu as vu? Voilà. Donc, c'est ça. L'œuvre de Dieu aussi, c'est ça aussi. C'est pas toujours à la chair. Souvent aussi, ça se passe dans les marmites. Voilà. Donc, voici un peu ce que dans le QG des hommes de Dieu, ce qui se passe ici. Comme je vous ai promis de vous montrer, c'est ça, je suis en train de vous montrer. Voilà. Donc, c'est du naturel, c'est du bio. Voilà, c'est du naturel, vous voyez. On n'est pas parti dans Sokossé, non, non. Ou bien Cap Chivois, ou bien Cap Nord, non. C'est pas plus. Ça, c'est du bio. Voilà, c'est du bio. C'est du bio, c'est du naturel. C'est du naturel. Mouton, porc. Voilà. Et c'est qui est ça? Allez, soyez bénis. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons l'évangélisation devant le temple de Dieu. Voilà. Pour alerter un peu le peuple de Dieu que les temps sont finis. Ouais. On va se réjouir aujourd'hui, mais il faut qu'aussi on parle du Seigneur Jésus. C'est ce qui est important. Donc, l'apôtre va dire le mot de fin et nous allons passer à la préparation de l'évangélisation de tout à l'heure. Voilà, bien-aimés, malheureusement, vous êtes derrière la caméra. Vous êtes tous invités. Non, vous voyez. Voilà, et tout à l'heure, on va encore se revoir lors de la dégustation. Vous êtes invités, c'est pour votre papa Jésus. Tout ça, c'est votre papa Jésus qui a offert. Et tous ceux qui sont enfants de Jésus sont aussi concernés. Voilà, il y a plusieurs morceaux. Sûrement, vous allez pour vous dedans, mais... Malheureusement, vous n'êtes pas avec nous, mais le Seigneur est fidèle. Et un jour viendra où on va se retrouver pour partager ces moments-là. Voilà, ce n'est pas la dernière fois. Soyez bénis et à tout à l'heure. Shalom, shalom.